In de binnenstad van Rouen bevindt zich de garage van ingenieur Chambrun, die deze week de wereldpers haalde. Journalisten en tv-ploegen uit Europa en Amerika zochten hem op in zijn werkplaats. Hij zegt een alternatief gevonden te hebben voor de peperdure benzine, en dat is water. Weliswaar nu nog vermengd met een scheut alcohol, maar het kan in principe volgens Chambrun ook zonder. Hij deed voor ons de proef met een gewone benzinemotor die met zijn vinding is aangepast. Permettez, monsieur, que j'en bats un petit peu. Oui, ça coûte de l'eau normale. Chambrun neemt dus gewoon leidingwater en voegt daar de zeer goedkope industriealcohol aan toe. Een olieconcern heeft een werkruimte aangeboden en tijdens ons bezoek kwam er een functionaris van het ministerie van Economische Zaken gegevens verzamelen ten einde rapport aan zijn baas te kunnen uitbrengen. Chambrun is ervan overtuigd de uitvinding van de eeuw gedaan te hebben. Hij heeft patent aangevraagd voor zijn vinding, waarvan hij het geheim streng bewaart. Maar eenmaal in productie zal het voor 600 gulden kunnen worden aangebracht op iedere motor. Bon, maintenant il y a de l'eau et de l'alcool dedans. Dedans, vous avez de 60% d'eau et 40% d'alcool. Et ensuite, nous allons mettre en route avec de l'alcool pur et après nous allons passer au mélange. Alors vous voyez, il est à ce repère, vous allez le voir descendre. Là, le moteur tourne à l'alcool, va chauffer à l'alcool, et nous allons passer au mélange 60% d'eau, 40% d'alcool. Je vais fermer le petit réservoir d'alcool. En zie, het werkt. De zware motor draait nu op water en alcohol. De motor wordt aangesloten op een aggregaat en levert zo stroom voor alle doeleinden. Nous allons démarrer avec 100 ampères, 60 volts, et nous allons monter progressivement pour tirer 300 ampères. Een lamp en een lasapparaat worden aangedreven via de nieuwe brandstof, waarvan de kosten ongeveer een dubbeltje per liter bedragen en waarvan het verbruik bij een auto 1 op 10 kan worden gesteld. On va fermer le réservoir maintenant. C'est vraiment étonnant ce que vous avez fait. Pour moi, je trouve ça normal. Quel est le principe de votre invention? Eh bien, le principe de notre invention, c'est qu'on fait la séparation de l'oxygène et de l'hydrogène à basse température. Oui. Et nous avons un système électronique qui complète la partie mécanique. Ah oui. Et le grand secret, c'est là-dedans, hein? Oui, on l'appelle la boîte noire. Et la partie électronique que vous avez ici. Mais, monsieur Chambrun, il y a des milliers de chimistes et spécialistes qui travaillent dans les compagnies de pétrole qui s'occupent de ce problème toutes les années. Et c'est vous qui a trouvé l'invention. Quelle est la raison? La raison, si vous voulez, c'est que depuis 1957, déjà un peu avant, j'avais pensé ce problème. Et depuis 1957, ça a été mis, sur plan, petit à petit. Et depuis la guerre du Kippour, où voyons qu'on allait manquer d'essence, j'ai activé, disons, les choses de façon à pouvoir tourner. Et maintenant, nous avons tourné là à 60% d'eau, 40% d'alcool. Et nous avons tourné 90% d'eau et 10% d'alcool. Et nous nous préparons avec ce matériel à tourner l'eau pure. Et vous voyez ce petit robinet, ça sera la dégustation au lieu de la faire là-bas au robinet.
Et c'est quand que vous pouvez faire ça sans encore, avec l'eau pure de... D'ici, disons, quelques mois. C'est une question de temps, de travail et d'argent. Mais nous avons déjà tourné à l'eau pure, ce mécanicien tourné à l'eau pure. Ça peut changer le monde. C'est-à-dire, si ça rend heureux le monde, c'est tout ce que je souhaite.